Eh bien salut à tous, bienvenue pour ce nouveau séquence découvert. Aujourd'hui nous allons s'attarder sur Shining, Résonance, Refrain sur Switch. Et c'est une démo version qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Donc c'est parti, on va aller dans les options pour voir ce qu'on peut changer. Alors la difficulté on laisse standard, les voix pour le moment on ne peut pas les changer. Vibration, oui. Les voix, on va laisser tout comme ça pour le moment. Caméra, tout ça. Bon, pour l'instant, il est en anglais. J'espère qu'on va avoir une version traduite chez nous, français. Donc, alors, on va se faire pendant 20 minutes. Allez, on va essayer l'original. Donc casual ou standard, on va prendre le standard. Oui, donc on va voir un petit peu ce que ce jeu vaut. Donc, comme ça on verra un petit peu ce que ça vaut pendant la démo. J'espère que ça va vous plaire. Alors voyons voir un petit peu. On va laisser un petit peu l'intro. De toute façon, on est ensemble pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, on va regarder un petit peu ce que vaut cette petite démo. It's the enemy. They're coming. We're under attack. It's an elf, a dragonier. All soldiers to the front gate. Go, hurry. Donc, allez, c'est parti. Bon, c'est en anglais. Je vois que je suis pas trop balèze au niveau anglais, mais bon. Ce qu'on voit déjà graphiquement, les personnages sont fort agréables, non dessinés. Ok. Donc là, c'est du blabla habituel. On va pas trop s'y attarder. Alors, moi, je contrôle cette petite demoiselle donc, qui s'appelle Sonia. Ok. Ok. R pour... Alors, voilà, pour bouger la caméra. Et voilà. Donc, on y va. Alors, graphiquement, c'est pas trop mal pour de la Switch. Donc, pour l'instant, je vais aller voir le petit coffre. Toujours voir... On examine. Allez, une petite potion pour moi. Toujours regarder derrière avant de partir à l'aventure. On sait jamais. Alors, notre premier objectif. On va aller voir ce combat-là. Donc, le premier combat, je pense. Je pense que tout de suite, ça va être du tuto. Et non pas du tito. Alors, donc on va fighter ce soldat. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se joue. Donc c'est avec le bouton A qu'on le cogne. X pour le caractère. Spécial break, ok. Ouais, ça fait un petit peu comme les jeux de Namco. Ok. Alors. Ouais, il se protège. Pas mal. Donc une fois là, ok. Et voilà le combat. Donc c'est un petit peu comme les jeux de Namco. Donc c'est du... Voilà. C'est pas mal. Pour l'instant, ça me plaît. Allez, on y va. On continue.
Puis la carte, elle nous indique bien tout. Hop, un de moins aussi. Voilà. Alors ensuite, on va aller voir là. Il y a un ennemi avant. On va essayer de faire l'ennemi avant, bien sûr. Ah, toujours attaqué par derrière. Comme un gros lâche. Franchement, il est pas mal. Hein. Ça donne envie. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Je regarde l'heure. C'est bon, on a le temps. On a le temps de découvrir la démo un peu. Magnifique dessin. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Franchement, j'espère que ce sera français. Faudra que je regarde un petit peu mon livre pour voir si ça va être français ou pas. Donc là, je clique vite fait hein, sur le blabla, qu'on essaye de voir un maximum de choses. Ah, il y a une alerte. Alors, on va aller, bah, de toute façon, on va aller par là. Voilà, Force Ability, ok. Donc il faut que je fasse une technique de force sur L, Y ou B. Ok, on va essayer de faire ça. Alors... Là, c'est pour se protéger, lui, Y. Bing. Ok. Ça, il branle rien, mon Yuma. Il aurait pu venir m'aider. Battle Resita. No item dopé. Alors, on va y aller discrètement. Hop. D'accord, pas mal. Bing. Voilà. Hop. Bing. Bon, pour l'instant, c'est pas mal. Alors ensuite, nous continuons notre petit bonhomme de chemin. Bing. À chaque fois, je me trompe de touche.
C'est fou ça. Ah, il y a une petite bestiole là qui me cherche. Ouh là là. Je surveille ma jauge. Je suis un petit peu confuse là. Bing, petite créature là. Bing. Ah, j'ai monté en level up. Ok. Ensuite, on va aller par ici. Je pense que c'est le point de sauvegarde. Voilà. Ok. Donc j'examine. Alors, on va y voir un petit peu les bonus, les stats, les items plutôt. Je me trompe de touche à chaque fois. Alors, on a de la potion. Ok. Ici, voyons voir un petit peu. Ok. On a les options. Allez, on continue. Il nous reste combien de temps? 11 minutes. Allez, il nous reste à peu près 9 minutes pour découvrir un peu plus le jeu. Espérons que ça va vous plaire et que ça vous donne envie de l'acheter. Bah, il sort normalement sur PS4 aussi, hein, donc il n'y a pas d'inquiétude par ici. Sur Xbox, je ne sais pas. Mais là, actuellement, c'est la version Switch. Alors, on va laisser un petit peu l'intro. The hour is upon us. Sonya must be in position by now. Then it is my turn to fight. Encore du blabla. En tout cas, je me répète, franchement, les personnages sont jolis. Pas mal animés. Bon, c'est un peu vide à mon goût. Mais franchement, sinon, c'est vraiment propre. Donc, à mon avis, c'est en parallèle, à mon avis. On va blablater un peu plus vite. Alors, il va y avoir un peu de combat. Comme ça, on va voir un petit peu le deuxième personnage, ce qu'il vaut. Ça doit être une elfe, vu ses oreilles. Alors, voyons voir ce qu'elle vaut. Ouf, il y a du combat. Plus les boutons, ok. Ok, donc c'est elle, c'est pas du corps à corps. Là, il faut beaucoup bouger. Oh là là, c'est pas évident avec celle-ci.
Hop. Hop, encore un moins. Oh, pas mal l'enchaînement. Pas mal, pas mal. Mais par contre, au corps à corps, faut faire gaffe. Hop, on va couper vite fait le blabla. Un petit chargement. Donc là, on retourne avec eux. Il y a une voix qui lui parle. Hop, encore du blabla. Ok. On a eu là, tu perds de la mémoire, un truc comme ça. Ouais, il est parti dans ses pensées. What's wrong? No, it's nothing. But I know. But if we can hold on, I'll keep you safe until then. Don't worry. Great. Thank you, Miss Sonia. I'm no miss. Oh, okay. Sonia, wait. Allez. What? Il va y avoir un truc avec lui, mon ami. Il repart dans ses pensées. Change. J'espère qu'il va être français, bordel. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il a sorti sa lame. Un peu pété, mais... Ça va nous faire un allié de plus. Ah bon, comme ça on aura fait un tutoriel sur les trois personnages. Alors voyons voir un petit peu. Ouh, elle fracasse. Bing. Vraiment pas mal le jeu, franchement. Ça fait plaisir de retrouver un petit Shinin de Sega. Bon, il nous reste une petite minute et hop, on va se dire, on va être obligé de se dire au revoir malheureusement. Il va se passer des choses incroyables dans cette aventure. Oh là là, il y a du dragon en plus. Oh, j'espère pas que c'est un boss.
Thank you, Trishula. That's Trishula. Then you're the Imperial Dragonair Princess, Excella. Indeed. Of course. Oh, il est vraiment bien rendu le jeu. Graphiquement. Graphismes des personnages en cel shading, franchement, c'est vraiment top. Bon. Eh ben, il y aura du fight. Qu'est-ce qui va se passer? On va dépasser un peu, mais c'est pas grave. Suspense. Oula. Ah, une alliée de plus. Bon, on va essayer de se faire ce combat. Alors, on va se faire ce combat. On va dépasser le temps, mais c'est pas grave. On n'est plus à ça près. Alors, il faut trouver les points faibles et viser. Ok. On va essayer de faire ça. Allez, c'est le boss battles. Ouf, je suis pas passé loin. Combat titanesque. Ouais, il faut en profiter de le fighter. Ouf, il l'a repoussé avec sa fureur. On l'a pas mal déjà touché. On l'a eu. Que va-t-il se passer? I had imagined the original Diva Magica's... It will be more than... Really? What's wrong? Standing still, even on a battlefield like this. It's as if you're inviting my land. Kirika! I think not. I can't move! Are you all truly so helpless? Perhaps... Weak? Don't give me that! Pardon? You believe you... What's so funny? You have... Rise, my dragon. I shall grant. Ouais, il va se passer des trames intéressantes. Mystère. Now you
There are three. Un deuxième dragon, un troisième dragon. Oh la vache. Ok. Ça va être chaud comme, comme jamais là, avec ses ennemis. Beaucoup de parlotte, mais bon, on a dépassé le temps, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de vous faire montrer un maximum de choses. On déborde, on va déborder un petit peu exceptionnellement. Alors, voyons voir. Oula! Il se réveille en tout cas, lui. D'accord. Il se transforme en dragon. D'accord. Je pense qu'on va fuir. Oh, franchement, elle est pas mal le jeu. Donc voilà pour ce début de combat. Donc, je pense qu'on va s'arrêter par là. On va laisser un tout petit peu l'intro passer. Et puis, donc voilà pour ce retour de séquence découverte sur un jeu. Donc, bah c'était le retour donc avec Shining Force sur Switch. Donc voilà pour le premier épisode, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous laisse un petit peu l'intro et on va se dire au revoir. Donc voilà, voilà. Ça s'annonce vraiment pas mal.
Donc voilà. Donc on se donne rendez-vous. Je pense qu'on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau séquence découvert sur un autre jeu. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!